Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing Diamond Art Club. Donc, c'est une toile que j'ai reçue il y a maintenant très longtemps. Je l'avais reçue au mois de juillet donc, de l'année dernière. Donc, vous voyez, ça va bientôt faire un an que je l'ai. Elle faisait partie des toiles que lorsque Diamond Art Club. Que j'ai commandé sur Diamond Art Club, j'en ai commandé plusieurs comme ça, un petit peu à la suite. Et du coup, j'ai jamais pris le temps de vous montrer les toiles. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Je vous ferai à chaque fois un petit unboxing, au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir cette toile-là. Donc, bien sûr, ce sont des toiles je les ai reçues l'an dernier. Forcément, elles n'ont pas le nouveau toolkit que vous pouvez voir si vous commandez actuellement sur Diamond Art Club. Donc moi, ça fait un petit moment maintenant que je ne commande plus chez eux parce que j'ai déjà plein de toiles. Et puis bon, forcément, c'est un budget, même si la qualité est top. Et vraiment, moi, j'adore Diamond Art Club. Mais c'est vrai que voilà, leurs toiles sont grandes. C'est un budget. Et voilà, et moi, comme j'ai déjà plein de toiles, j'ai des partenariats, etc. Du coup, j'évite de... Voilà, je ne commande plus sur Diamond Art Club. Des fois, de temps en temps, je regarde quand même parce que si jamais il y a une toile coup de cœur, bon, je la prends. Mais c'est vrai que là, ça fait un moment que je n'ai pas commandé, chez eux. Donc, du coup, on a toujours la belle boîte. Et là, comme vous voyez, c'est une toile en diamant rond. Je peux vous donner le nom de la toile, donc c'est Free Like a Bird by c'est JoJo's Art. Donc je connais pas du tout, l'artiste, mais en tout cas vous allez voir, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette toile là. Alors donc je vais l'ouvrir et vous montrer bien sûr le contenu de la boîte. Donc voilà, donc comme d'habitude, vous avez la toile enveloppée. Là, j'ai le petit sticker avec la photo. Je ne vous le montre pas tout de suite. On va essayer de faire un petit peu de suspense. Le toolkit, donc comme je vous l'ai dit, c'est le toolkit, donc l'ancien toolkit, c'est pas le nouveau. Donc on est toujours sur la même chose, hein, sur une barquette transparente, un stylet bleu. Une petite mousse comme ça. On a des petits embouts multiplaceurs, des pads de cire donc en forme de cœur, donc vous en avez deux à chaque fois. Et à chaque fois aussi, ils nous mettent des petits sachets comme ça. Donc voilà, un toolkit complet. Il manque juste la pince, mais Diamond Art Club, en tout cas, l'année dernière, ne mettait pas les... Ils ne mettaient pas les pinces lorsque les toiles étaient en diamant rond. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pinces dans ce toolkit. Alors, donc, j'ouvre la toile. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Hein, voilà, aujourd'hui, on est le mercredi 1er juin. Donc, il nous reste encore 5 semaines et demie d'école avant les vacances. Hein. On commence à les compter un peu parce que c'est vrai que la période commence à être un petit peu longue. Mais bon, il faut tenir jusqu'au bout. Donc, comme d'habitude, vous avez le petit fascicule qui vous explique un petit peu comment faire le diamond painting. Et ensuite, vous avez aussi un petit code promo qui est toujours le même. Alors, c'est un code promo de 10%. Bon, je sais que je n'ai pas le droit de vous le montrer, mais si vous allez sur le site, je pense qu'il apparaît. Oui, il doit apparaître ou en tout cas, vous devez avoir d'autres codes promo. Vous avez aussi toujours la petite feuille ici autocollante. Avec donc le tableau, le DMC, des DMC. Donc ça, pareil, je vous le montrerai après parce qu'on a l'image dessus. Vous avez les diamants qui sont très bien rangés comme ceci. Donc ce sont des diamants ronds. Et la toile est ici. Alors je vais la dérouler. Hop. Et je vais vous monter un petit peu pour que vous puissiez la voir. Elle n'est pas très très grande, ça va. Mais je vais quand même vous monter un petit peu pour que vous puissiez voir
plus bah, la toile en entière. Donc voilà, normalement vous êtes assez haut pour pouvoir la voir. Donc c'est parti, je vous la retourne. Hop. Et la voici, tada. Donc je ne sais pas si voilà, vous pouvez le voir, mais en fait c'est c'est un lion avec voilà, le fond magnifique comme ça. Et du coup, si vous reconnaissez, enfin en tout cas moi ça m'a fait penser à ça. On dirait voilà, le roi lion. Donc on a le roi lion avec la roche là où à chaque fois ils se mettent pour montrer par exemple au début de la scène du roi lion, ils montrent le petit Simba. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris, ça m'a fait penser au roi lion. Et voilà, je l'ai trouvé très très joli. Donc voilà, donc comme d'habitude Damener Club, hein, on est sur de la qualité. Donc au niveau de la colle, ça colle très bien. On est sur un film plastique, donc on n'aura pas de rivière. Alors la toile, elle fait 67 par 47. Il y a 29 couleurs. Au niveau des symboles, on voit très très bien. Hein, bon, c'est du Damener Club, hein, donc il n'y a pas de souci sur ça. Alors après, au niveau des AB, alors est-ce qu'il y a des AB? Alors je pense qu'il y en a un ou deux, il faut que je regarde. 125, le numéro 1 c'est 125 et le numéro 2 c'est 208. Alors on va regarder au niveau des diamants et au niveau des petites images. Donc voilà la petite image normalement à quoi ça doit ressembler. Alors est-ce que ça va faire le petit focus bien net, je ne sais pas, mais voilà l'image. Vous avez aussi donc la grande image comme ça. Donc là ce sont des autocollants, donc ça va vous permettre de, lorsque vous allez ranger vos diamants dans vos petites valisettes, bon bah vous n'aurez pas besoin d'écrire à chaque fois, vous avez juste à coller le petit tableau. Et du coup à chaque fois ici on retrouve le nom de la toile, l'artiste, l'image et la taille. Donc on est sur des diamants ronds 67 par 47. Donc ça à chaque fois je le mets dans mon petit carnet où je recense un petit peu toutes mes toiles. Et puis ça à chaque fois je l'utilise pour ranger mes diamants. Alors au niveau des diamants, donc je vais ouvrir le sachet. Donc je vous montre rapidement les couleurs, mais voilà, on va être sur beaucoup de noir, de bleu et de orange. Enfin voilà, des tons pour faire un petit peu le coucher de soleil. Voilà. Alors est-ce que sur celle-là il y a les AB? Non, ça c'est les diamants normaux. Alors, les AB, ils sont ici. Donc voilà, on va avoir des AB comme ça, blancs. Donc les AB, hein, c'est parce qu'ils ont un petit reflet, un petit reflet un peu, voilà, pour AB, c'est pour aurore boréale, hein, donc c'est un petit reflet sur les diamants. Donc ils ne sont pas couleur lisse comme les autres. Donc voilà, vous avez aussi les autres couleurs. Hop. Voilà, donc de très belles couleurs et du coup je pense qu'il y a un seul AB, ça doit être justement voilà ce 125 là qui fait que c'est un seul AB, parce que le 208 je pense que c'est une couleur normale. Et voilà, c'est ça, 208 c'est un violet normal. Donc voilà, donc après bah, au niveau des diamants, c'est du Damener Club, donc voilà, moi les diamants c'est du diamant rond en plus, donc vraiment j'en ai déjà fait une en tout cas entière de Damener Club. Et j'avais commencé une carrée mais je ne l'ai pas fini. En tout cas, voilà, au niveau des diamants ronds, ils sont vraiment top. Donc voilà, c'est de la qualité. Alors au niveau du prix, elle était, quand je l'avais acheté, elle était à 42,95 €. Et puis j'avais utilisé un petit code promo, j'avais 15%. Donc j'avais commandé une autre toile aussi, bon, que je vous montrerai dans un autre unboxing.
Mais voilà, c'est un budget à hein, 40 euros, mais voilà, c'est une grande toile avec la qualité. Vous savez que vous allez avoir un beau rendu avec cette toile. Je ne sais pas si elle est encore sur le site, vu que ça fait déjà un an que je l'ai achetée. Si elle est de nouveau sur le site, je vous mettrai le lien, bien sûr. Donc voilà pour mon petit unboxing. Donc je vais ranger tous mes diamants. Donc voilà pour mon unboxing Diamond Art Club. Donc j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera pour peut-être d'autres vidéos unboxing parce que j'ai quelques partenariats qui devraient arriver, ou en tout cas les boutiques m'ont recontacté pour faire des partenariats. Donc voilà, j'en ai accepté un ou deux, mais parce que j'en ai encore plein, je voudrais faire déjà ceux que j'ai reçus avant de, enfin, voilà, avant de recevoir les autres. Mais bon, c'est pas toujours évident de tout faire, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y aura sûrement d'autres unboxings, et il faudra aussi que je vous montre où j'en suis dans mes toiles en cours et les toiles terminées, parce que j'ai presque terminé la toile Mickey de Gutfeld que vous avez vue dans une autre vidéo. Comme ça, je vous montrerai Minnie et Mickey, et puis aussi les autres toiles, notamment par exemple la toile en diamant carré de Diamond Art Club aussi que j'avais commencé. Et aussi bon bah une autre qui est plus longue forcément. D'ailleurs, je me suis pas remise dessus, la toile Aurora Beauty de Diamond Art Club. Mais voilà, donc je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai un petit peu toutes les toiles qui sont en cours et celles que j'ai terminées récemment. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.